Bonsoir. Donc, je veux les gens qui vont qui peuvent lire ce soir sur Zoom. Donc, moi, j'ai décidé de faire un direct aujourd'hui. Parce que normalement, pour ce jour de jeûne, ça c'est. On est censé faire l'étude de la Bible aujourd'hui. Le but c'est de vous aider tout simplement à apprendre à lire votre Bible. Ok? Ne compliquez pas la spiritualité, s'il vous plaît. Ne compliquez pas la spiritualité. La spiritualité est super simple. Voilà. On lui demande la sagesse divine pour pouvoir parler. Bonsoir Aurélie, merci pour le cœur. Si vous avez des enfants qui sont disponibles pour lire, vous me faites signe. Donc, nous allons lire le proverbe. On va lire le proverbe 7 aujourd'hui. Proverbe 7 et psaume 7. Proverbe 7, vous y êtes, j'espère. Ok, l'ange du cœur, bonsoir. Ceux qui peuvent lire, prononcez-vous sur Zoom, comme ça je vous donne la parole. On va lire le proverbe 7. Prenez vos Bibles, c'est bien d'avoir la Bible physique. Donc. Qui veut lire? Lisette Marais. Ok. Donc Lisette, tu vas lire les trois premiers passages, trois premiers versets. Qui d'autre va prendre après? L'ange du cœur. Pardon? L'ange du cœur va lire après. L'ange du cœur, donne-moi ton prénom. On est au pseudo, là on est sur Zoom. Angélique. Angélique. Voilà. Merci. Donc, Angélique, après tu vas prendre versets 4, 5 et 6. Les autres personnes, vous fermez vos micros. Non, je peux fermer ton micro quand Lisette va lire, s'il te plaît. Merci. Ok, Lisette, vas-y. Bon, Seigneur, nous bénissons cette parole. Pendant que nous lisons, nous recevons la clarté d'esprit, l'inspiration divine et que tu nous parles clairement au nom de Jésus. Amen. Vas-y. Proverbe chapitre 7. Proverbe 7. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Amen. Mon fils, retiens mes paroles. Ça veut dire que tu peux oublier. Tu peux oublier. Parfois, tu restes sur les réseaux sociaux, tu vois un truc, tu te dis, ah, il faut que je me rappelle de ça. Après, tu oublies totalement. Totalement. Je ne me détourne pas de la lecture qu'on a faite. Si tu as une question, soit tu peux la poser à une autre personne. Comme je me suis mise pour lire ceci-là, je ne vais pas quitter sur ça. Donc, venez parler vos questions, je ne vais pas vous répondre. Donc, on attend le proverbe chapitre 1. Chapitre 7, pardon. Mon fils, retiens mes paroles. Garde avec toi mes préceptes.
vois un peu, vous savez, quand je vous ai dit récemment que j'ai un très bon ami à moi, j'ai vu comment il aimait son téléphone. Donc, t'es quelque part, et il a cru qu'il avait perdu son téléphone. J'ai vu comment le gars a paniqué. Donc, si tu as rendez-vous avec lui, il arrive en retard, il ne s'inquiète pas autant que son téléphone, donc il a perdu. Mais je t'ai quand même assez désolé parce que c'est quelqu'un que généralement, tu dis, il ne fait pas. Il n'a pas la pression de quelque chose. Mais le jour où il a cru pendant 2 minutes qu'il avait perdu son téléphone, vous allez voir comment il a paniqué. Donc, si les êtres humains tenaient le Jacques dans la même façon que vous tenez à vos téléphones, vous les gardez à côté de vous, vous êtes toujours en train de 2 secondes, tac, oh mon téléphone, 2 secondes, tac, oh mon téléphone, oh mon téléphone. Et demande toujours à mes enfants que le téléphone que tu chéris tellement là, ça te donne l'argent. Ça te donne quoi? Donc, je vais utiliser juste l'attention que vous donnez à vos téléphones. Si la même attention, tu donnais ça au précepte de Dieu, tu viens, tu ressens, est-ce que j'ai respecté ce que Dieu veut? 2 minutes plus tard, est-ce que dans ce que je suis en train de dire là, ce que je suis en train de faire, est-ce qu'il respecte ce que Dieu veut? Parce qu'on a souvent tendance à s'éloigner. Observe mes préceptes et tu vivras. Beaucoup parmi vous aujourd'hui, nous, la société aujourd'hui, tout ce qu'on voit en ligne nous fait croire que voilà, la vie c'est le hasard et on n'est pas sûr. On est vraiment, tu ne sais pas, quelqu'un peut venir, il te voit en ligne comme s'il prédit ta mort et tu meurs. Vous pensez que la vie c'est comme ça? Comme ça pour rien, on vient du côté. Observe mes préceptes et tu vivras. Ça veut dire que je vois d'abord l'acte d'observer. Donne de l'attention. Que ce soit une priorité pour toi. Beaucoup d'entre nous, on ne connaît pas la parole, on ne connaît pas lire la parole, on n'a pas envie de lire la parole. Ça ne nous intéresse pas. Et on ne sait pas que c'est dans la parole là qu'il y a la vie. Observe mes préceptes et tu vivras. Certains d'entre vous partez voir des personnes pour qu'on vous donne longue vie. Certains, vous avez peur, vous partez vous soumettre à des personnes pour qu'on vous protège. Alors que ta vie se trouve dans la parole. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Je crois que s'il y avait le téléphone portable à l'époque, on écrivait à nouveau la Bible, ils allaient dire que garde ça comme ton téléphone portable. Garde ça comme la prunelle de tes yeux. Parce qu'il savait que tu dois prêter attention. Et on dit que ta vie en dépend. Donc si tu vis ou tu meurs là, ça dépend de l'attention que tu vas donner. Et si, je viens juste te déposer des idées dans votre esprit. Et si l'attention que tu donnes à quelque chose, aujourd'hui on a plus d'attention à TikTok. On donne plus d'attention. Peut-être que tu commences à regarder un film, les novelas par exemple. Tu commences dans la journée, ton cœur te plaît parce que tu sais que tu devais regarder le film le soir. Tu devais regarder le film. Donc, tout ton plaisir se trouve là-dedans. Joël, bonsoir. Mon fils, retiens mes paroles. Garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes. Donc, garde avec toi. Observe. Et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Garde ce que je t'enseigne. Ce que je te dis. Parce qu'il sait que quand on va t'enseigner, il y a d'autres personnes qui vont vouloir pour t'enseigner aussi. Qui vont venir pour t'enseigner aussi. Dès qu'on te dit, tu commences à dire, ah, non, c'est possible de prospérer. Hein. C'est possible de prospérer dans la droiture. Et donc c'est possible de... Une autre vidéo vient en ligne où ton pote te dit, mais vraiment, voilà tout ce qu'elle raconte là. Regarde, j'ai plus quelqu'un qui essaie de respecter ça. Aujourd'hui, il est mort. Tu es dans une bataille d'attention.
Et vous savez qu'en ligne, ce n'est pas le bon qui se propage. Les choses qui prennent comme le feu de brousse, c'est toujours le faux. C'est tout ça qu'on va rapidement passer la nouvelle. Tu as déjà vu quand quelqu'un vient te dire, waouh, hey, écoute, est-ce que tu sais que, vraiment, si tu mets la vérité dans toutes tes affaires, tu auras la prospérité. Et que tu sais que si tu payes ta dîme, tu auras la protection sur tes finances. Non, 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 on va, telle personne est morte, on l'a empoisonnée. Tu as appris ça. Ah bon? C'est toujours les mauvaises nouvelles qui courent. Morgane, coupe ton micro et tu coupes ta caméra. Morgane! Arrête de te curer les dents devant moi, c'est quoi? Zoom, c'est là vraiment. Hein. Vous pensez que les gens parlent cela? Il n'y a rien à faire. On lit la parole, vous devez prendre vos Bibles. Vous êtes en train de faire des foutaises. Et c'est exactement de ça que je parle. Blaguez avec vos vies, ne vous dérangez pas. Prie pour moi, prie pour moi. Quand on mettait la parole dans ton cœur, dans tes pensées pour les mauvais jours, tu n'écoutais pas. C'est quand tout va bien dans ta vie que tu cherches la protection. Hein. C'est quand tout va bien dans ta vie que tu cherches la vérité. C'est quand tout va bien que tu cherches à te protéger encore plus. Tu cherches à apprendre encore plus. Tu dois toujours attendre quand vous êtes en train de tomber. Quand rien ne va dans ta vie. Rien ne va. C'est là que tu cours, Seigneur, aide-moi. Il est trop tard. Je reçois très rarement les gens qui sont désespérés. Très rarement. Parce que c'est que tu es désespéré, c'est que tu as rejeté le savoir. La preuve, on va t'aider. Dans 2 mois, tu es encore parti. Dès que ça va aller, tu vas partir. Donc fais très attention aux gens qui sont désespérés. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Garde mes enseignements comme ton téléphone portable. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Ton cœur, c'est tes pensées. On demande même sur tes doigts parce qu'à tout moment, quand tu es quelqu'un qui a la vue, bien sûr, tu n'es pas aveugle. Quand tout ce qui est sur tes doigts, tu vois à chaque fois. Il y a même d'autres passages où je dis que mets sur ton front. Tu mets sur ton front, comme ça, n'importe qui te voit, c'est que, ah, la fille là. Comme quand tu portes ton doc, non. Tu portes ton doc, tu marches quelque part. Dès que les gens te voient, ils ont déjà. Il y a des gens qui arrivent sur TikTok, c'est là. Dès que vous voyez mon apparence. C'est une sorcière. Pourquoi? Juste mon habillement. Je n'ai même pas parlé. Je n'ai rien dit. Tu m'as déjà jugé avec ce que je porte. Que les préceptes divins soient quelque chose que tout le monde qui te connaît connaît que la fille là est. Elle aime trop. Oui. Qu'est-ce qu'on dit de toi? Verset 4 et verset 5. Il faut lire. Cœur. Ange. Dis à la sagesse, tu es ma sœur et réclame l'intelligence pour parente. Cela te gardera de la femme dévergondée, de l'étrangère aux propos enjôleurs. Merci. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Donc, ton pied, mon pied. On monte, on descend, je suis avec toi. Parce que je sais que tes conseils sont, en anglais, on dit sound advice. Quelque chose qui est sound, ça veut dire que quand tu écoutes, c'est la direction. Et vous savez qu'il y a des moments de votre vie que si on vous devait donner les bons conseils,
J'aime souvent voir les négociations de d'autres. Quand tu as quelqu'un que tu vois, tu as un ami qui a. Vous savez que vous avez souvent les amis qui ont les bonnes bouches là, non? La bouche sucrée là. Sa bouche est sucrée. Il arrive pendant qu'on parle. Il dit seulement aux gens là que. Une minute, s'il vous plaît. Il part au deuil comme ça là. Il conjure, il parle. Quand le père a dit non, 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 ma fille ne m'amène pas par mariage avec le gazé. Il dit non, le père, toi-même tu vois. Voilà. Mon père, toi-même tu vois que. Il parle, il parle, il parle. Le père qui devait demander 4 millions, on dit bon, donne-moi 500 000 alors. Donne-moi 500 000 pour la dot de la fille. Vous savez que dans votre entourage, vous avez des gens que, même si vous avez le même âge, ils ont toujours une sagesse là qu'est. Quand tu vas lui poser ton problème, il y a des problèmes qui peuvent te coûter. Pas seulement la vie, mais beaucoup de choses. Il y a des situations que si on te conseillait bien, ça t'aurait épargné de perdre de l'argent. Ça t'aurait épargné de perdre des années. Si on t'avait arrêté avant que tu n'ailles dans le mariage là. Si on t'avait fait asseoir comme ça, on t'a parlé. Et il y a les gens que la sagesse est tellement en eux que quand ils te parlent, même si j'avais des effets n'importe quelle folie, ça dissout la folie là dans ta tête. Ça dissout ça, ça sort comme les mauves. Je n'ai jamais eu ce genre d'idée. Donc tu vois, il y a des personnes qui t'étuent là, non? Dans ta tête, tu as mauve, elle te prend comme ça, elle te parle. Ma fille, tu peux chercher quoi derrière le gars là? Regarde-le. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Il n'est jamais cherché la maison de tes parents. Tu dis que tu peux habiter chez lui comment? Quoi? Elle te parle, elle te parle, elle te parle. Tu t'assois comme ça. Tu rentres chez vous, t'assois. Tu dis que je ne parle plus chez le gars-là. Parce qu'on t'a parlé. Parce que la sagesse est. Quand Salomon a demandé la sagesse à Dieu, Salomon, il savait ce qu'il demandait. La sagesse peut faire que tu entres dans n'importe quelle porte. Tu n'as pas peur. Il y a des endroits où tu passes souvent, non? Tu es censé dire, non, j'ai l'argent, je vais payer. J'ai l'argent, j'ai l'argent. Tu arrives là-bas. On dit que la facture, c'est 1,5 million. Mais le jour là, par hasard, tu arrives avec ton ami. Tu as une amie comme ça. Un jour, quelqu'un, elle est venue, elle était comme au hasard, on devait se voir le jour là comme ça, hasard. Elle me dit que tu es où? Je suis dit que je suis au commissariat là-bas. Il y a quelqu'un qui a porté plainte. Voilà. La personne n'a pas voulu attendre qu'on finisse pour sectionner les terrains. Donc elle dit que je rembourse l'argent du terrain. On était 3 personnes, on avait mis l'argent pour payer le terrain, par exemple. Et après, la personne se met un jour, elle dit que non, elle ne veut plus. Je rembourse mon argent ici maintenant. Donc j'étais au commissariat, on disait que ok, tu vas payer son argent comment, quand? Et elle veut que tu payes maintenant. Donc le lendemain où je partais pour qu'on finalise les négociations, j'arrive. Ma copine a dit que je peux te voir. J'ai dit oui. Elle me trouve là-bas. Maman. C'est une femme qui me suit toujours ici là. Mais on s'est lié d'amitié comme ça là. Elle s'est assise. Elle a décomposé les enquêteurs. Je l'ai regardée comme ça. Vous voyez ma part de bouche là, c'est. Je peux parler à vos mauvais esprits. Mais elle a parlé au mauvais esprit des enquêteurs là. Parlez. Elle ne menaçait pas, hein. Et qu'elle parle comme ça là, tu vois comment leur arrogance là diminue comme ça là, comme ça. Il y a des personnes que vous savez qui sont été dans certains endroits avec vous. Ils ont diminué vos sentences. Ils ont diminué les dettes que vous devez payer. La personne a dit que non, moi, tu vas acheter peut-être un terrain. Le chef du village dit que non, donnez-moi 4 millions. La personne arrive. Première chose d'abord, elle est même du même village que le chef là. Elle dit que non, on peut accabler le whisky sur le chef si vous achetez 4 bouteilles de whisky. Pour les 60 000 que vous avez payé le whisky là, vous allez arriver là-bas. Le chef va diminuer 2 millions sur votre argent. Parce qu'elle a eu la sagesse.
Cherchez la sagesse, je vous dis. Cherchez la sagesse. La sagesse ouvre les portes. La sagesse adoucit les cœurs. Même un endroit où tu arrives, tu allais faire peut-être l'arrogance. Il y a des endroits où tu arrives, tu fais comme si on te connaît, comme si tu n'en avais pas. Tu arrives comme ça, tu dis, non, moi je vais faire le gros, moi je ne veux pas me rabaisser. Pourquoi je dois me rabaisser? Non, 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 non. Il dit que mamie, mets-toi sans confiance quand tu pars là-bas. Laisse ta voiture, tu prends le taxi dépôt. Quand tu gâches le père là comme ça, là, pour négocier, pour le supplier, il te voit comment tu es simple comme ça. Il va diminuer même 2 millions sur l'argent que tu veux payer. La sagesse. Vous savez qu'il y a des gens comme ça que vous connaissez. Vous-même, ça peut vous localiser. Verset 4, Proverbe 7, c'est ce qu'on est en train de lire. On a en train de faire une étude biblique. Voilà, la reine Nadine dit que les gens l'appellent souvent pour négocier leurs choses. Moi, tu ne sais même pas comment tu fais. Oui, c'est un don que tu as. C'est ta part de don que tu as donné là-bas. Monsieur Jabez, bonjour. Verset 4. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Et appelle l'intelligence ton ami. On dit que ton ami, ça dit, ou pas parce que je voulais s'en parler. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Et vous voyez que la sagesse, c'est généralement dans le savoir-faire et les paroles. Donc, une directive que fait comme ça. Qui se rappelle de la première, du premier acte, du premier jugement que le roi Salomon a dû porter dans son règne, après qu'il ait demandé la sagesse à Dieu? Qui se rappelle du problème qu'il y avait? Moi, je me rappelle. Ok, la reine Léontine, parle alors, vas-y, raconte l'histoire. C'est Suzanne, c'est pas Léontine. Ok, vas-y alors, ma chérie. En fait, dès le matin, Dieu lui avait déjà donné la sagesse et l'intelligence. Et au lieu de rester à Gabaon, il est directement allé à Jérusalem où se trouvait l'Arche de l'Alliance, et il y a fait là-bas, à ce lieu, les sacrifices que ses pères faisaient dans le temps. Mm-hmm. Et après ça, il a construit un temple pour y installer l'Arche de l'Alliance. Je veux ça. Est-ce que tu peux me parler de quelle est la première affaire qu'on a apportée devant lui? Il a dû juger. Ah, si. C'est l'affaire de l'enfant. Vas-y. Deux femmes qui se disputaient un enfant. Après, il a dit qu'il allait sacrifier l'enfant. Non, quelle était la dispute? La maternité de l'enfant. Chaque femme disait que c'était son enfant. Tu connais l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux femmes? J'ai un vague souvenir de ça, mais je sais qu'après qu'il avait décidé de sacrifier l'enfant et que seule la véritable mère de l'enfant s'y était opposée. Non, je veux la vraie histoire. Merci beaucoup. Tu vas très vite, la reine Suzanne. Merci pour ta participation, mais je veux la partie de l'histoire là, s'il te plaît. Ok? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le live là-bas sur Zoom qui connaît? Je veux savoir l'histoire qu'il y avait entre les deux femmes là. Moi, madame. Vas-y, s'il te plaît, monsieur Roy Collins. Oui, vas-y. C'est l'histoire de deux femmes qui avaient mis au monde chacune un enfant. L'une a perdu son bébé et elle est allée donc aller voler le bébé de l'autre femme. Maintenant, cette femme-là sont allées se plaindre devant le roi et ils ont décidé, bon, les femmes ont dit, ok, bon, ça c'est mon enfant, l'autre dit que c'est mon enfant. Maintenant, le roi a dit, ok, bon, voilà ce qu'on va faire pour trancher l'affaire. On va diviser l'enfant en deux et partager les deux. Bon, la véritable mère de l'enfant a dit, non, je préfère que vous laissez l'enfant à la dame
Et c'est comme ça que le roi Salomon a décidé que bon, voilà la véritable mère de l'enfant et on a attribué cet enfant à cette femme. Merci. Merci, Oui. le roi Collins. Donc les deux mamans ont eu chacune de l'enfant. Voilà, je suppose que c'était peut-être le même jour, la même semaine. Et apparemment, elles dormaient dans la même pièce. Donc, vous savez qu'il y a parfois des mamans qui étouffent l'enfant dans la nuit. Donc, l'une d'entre elles a étouffé son bébé la nuit. Il est mort. Elle s'est réveillée le matin. Elle a changé cet enfant. Elle a mis là où il y avait dans le berceau de l'autre. Elle a pris donc l'enfant. Celle qui n'a pas étouffé son bébé la nuit se réveille. Et puis elle dit, mais attends, ça, c'est pas mon enfant. Donc, l'autre dit que non, moi, celui qui est à côté de moi qui est vivant, c'est mon enfant. Donc, celle dont l'enfant n'est pas mort a commencé à réclamer que l'enfant qui est mort, qui est à côté de moi, ce n'est pas mon enfant. Donne-moi mon enfant, c'est toi qui as pris mon enfant. Donc, elles ont toutes les deux laissé l'enfant qui était mort à la maison. Elles ont porté celui qui n'était pas mort. Elles ont amené chez le roi. Donc, elles arrivent, le roi dit, c'est quoi? On explique le problème. Et bien sûr, toutes les deux étaient émotionnelles. Parce que quand tu es Decepticon, vous connaissez les Decepticons, non? Ce sont les bons acteurs. Les Decepticons sont de bons acteurs. Sûr que quand les deux pleuraient comme ça, la Decepticon pleurait, la vraie mère pleurait aussi. Sûr que la Decepticon en pleurant, ma mère pleurait que oh, mon enfant est mort la nuit, c'est là. En tout cas, quoi qu'il en soit, les deux ont bien fait le jeu. Et là, le roi s'est. Voilà, jusqu'à se rouler même au sol. Vous connaissez bien. Et là, le roi est perplexe parce que tu es de retour dans une situation comme ça, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Est-ce qu'il y avait le test de paternité le temps là ou de maternité le temps là? Il n'y en avait pas, il n'y en avait pas. Et sûrement les enfants étaient trop petits pour qu'on dise que allez, il a ton nez. Hein. Je ne pense pas que c'était possible à cette époque. Donc le roi a dit ok, tout sérieux, 100%. Je suis sûr que c'est quand on a soulevé le couteau que ça t'a touché derrière la tête de l'enfant qu'il a dit qu'arrêtez. Tout sérieux, il dit que bon, pas de problème. Coupez l'enfant en deux, vous donnez une moitié à chaque mère. Sûrement dire que bon, la mère, si tu veux la tête ou bien tu veux les pieds. Ok, non, moi, il veut plus que les pieds, il veut les pieds. Il veut que bon, moi, il veut la tête. Quand tu es sur le point de tuer l'enfant, de diviser l'enfant pour donner aux deux personnes, c'est là que le roi, la maman qui était, dont l'enfant était vivant, qui était là, elle a dit, c'est bon, je lui laisse l'enfant. Laissez-lui l'enfant, c'est bon. Parce qu'elle préférait voir son enfant en vie. Mais l'autre s'en foutait, son enfant était à mort. Donc, même si on tuait celui-là, s'en foutait. Donc, vous voyez qu'il a fallu cette sagesse pour savoir que la vraie mère ne peut pas voir, on tue son enfant, elle laisse. Elle va vouloir sauver cet enfant. Il y a des situations de notre vie. C'est la sagesse qui sauve. Écoutez, le pétrin dans lequel tu es, ce n'est pas l'argent qu'il te faut. Hein. Ce n'est pas l'argent qu'il te faut pour sortir de là où tu es. C'est la sagesse. C'est pour ça que la Bible dit toujours que dans tout ce que tu cherches, cherche la sagesse. Parce que si tu as la sagesse, la sagesse peut te permettre de t'élever. La sagesse, la Bible, on a lu dans le verset, Proverbe 4, on a lu ça l'autre jour. Que dans sa main droite, il y a l'argent. Dans sa main gauche, il y a la protection. La sagesse ne marche pas seule. L'argent que vous cherchez, que je veux l'argent, je veux l'argent. Et on a lu l'autre jour encore dans l'autre passage que poursuis la sagesse comme si tu poursuivais l'argent. Et la sagesse, ce n'est pas demander de savoir et conseiller les gens. Que toi-même tu fasses. Toi-même, mets en pratique ce que tu dis aux gens. Bon, on va lire le verset 6 et le verset 7. 6, 7, 8. Est-ce que le roi Collins peut lire les trois versets là? Proverbe 7, verset 6, 7, 8. Oui, je peux lire. Merci. Proverbe 7, de 6 au verset 8. Il est écrit, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule,
pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Merci. Voilà. J'aime bien comment il parle des stupides. Qui sait ce qui c'est quoi un stupide en fait? Quand la Bible dit que stupide. Bonsoir Gabriel. Un ignorant. Ignorant. Je ne pense pas qu'insulter les gens. Je pense quand tu dis que quelqu'un est ignorant, ça veut dire que toi tu connais déjà quelque chose comme ça. Donnez encore des synonymes, essayons de voir. Un insensé. Ouais, on peut bien dire. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de sens, qui ne veut pas raisonner. On prend ça comme ça. Donnez encore des synonymes. Un abruti. Non, abruti, ça fait plus. Non, c'est, je pense que c'est un peu fort. Pour dire un stupide. Un abruti. Hébété. Okay. Ok, hébété. Allons-y alors. Stupide, bête, ouais. Ahuri, abasourdi, étonné. Quelqu'un qui ne veut pas réfléchir. Un égaré. Un égaré. Les gens qui disent là sur TikTok. Bon. Quelqu'un qui n'est pas conscient. Qui n'est pas conscient. Mm-hmm. Est-ce que vous reconnaissez avoir été stupide dans votre passé? Oui. Oui, Marie. Qui se rappelle du Proverbe chapitre 1? Regardez les premiers mots du chapitre 1. Proverbe 1, verset 2. Qui peut lire? Verset 2 et 3. 2, 3, 4 même. Angélique. Vas-y. Destiné à faire connaître la sagesse, à donner l'éducation et l'intelligence des sens, des sentences pleines de sens, à faire acquérir une éducation éclairée, justice, équité, droiture, à donner aux naïfs la prudence, aux jeunes, connaissance et discernement. Qui est en train de lire? Angélique. Sen, coupe ton micro. Toute autre personne, coupez vos micros, sinon je vous enlève de Zoom. Merci. Sen, Rosine, coupe ton micro. Ok, on peut continuer. Que le sage est... Et il augmentera son acquis. L'homme intelligent, et il apprendra l'art de diriger. Qui a la version 8 secondes, s'il vous plaît? Moi. Ouais. Ok, la fille, ouais. La femme, le roi Colin a déjà lu. La femme, il y a une femme qui a parlé, moi, là. Lis, s'il te plaît. Suzanne. Oui, vas-y, Suzanne. Proverbe de Salomon. Tu commences au verset 2, s'il te plaît. 2, 3. Je commence au verset 2. Mm-hmm. D'accord. Proverbe 1. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Amen. Continue s'il te plaît, 4. Pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. D'accord, merci. Une personne pour lire le verset 5. Mon mari. Vas-y. 8 secondes, s'il te plaît. Ok. Verset 5. Ok, laissez, je vais lire moi-même. Que le sage écoute mon maître. Vous avez trop de micros qui sont allumés, je ne veux pas ça. Laissez. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté.
Vous voyez qu'il y a une partie dans la Bible où la Bible reconnaît. On ne naît pas sage. Peut-être vos parents ne vous ont pas donné de sagesse. Ils n'ont pas eu du temps pour vous enseigner. Et parfois, quand vous enseignez, ce qu'on vous a montré, ce n'était pas bon pour vous. Maintenant, si tu veux connaître la sagesse et l'instruction, si tu veux comprendre les paroles de l'intelligence, donc on ne naît pas sage, on devient sage. Vous suivez? Et ce n'est pas avec l'âge. La sagesse ne vient pas avec l'âge. Il y en a que c'est à 45 ans que vous écoutez les paroles-ci. C'est à 45 ans que tu écoutes, il y en a que c'est à 20 ans que vous écoutez. Tu écoutes à 20 ans, tu prends 25 ans pour travailler dessus. À 45 ans, ta sagesse sera à une dimension. Gabriel, je suis en train de lire. Donc, si tu es venu pour tes commentaires qui sont comme ça, là, je suis comme là. Tu as compris, non? Donc, on lisait le Proverbe chapitre 7. Donc, on était au verset 9. Quelqu'un va me lire le verset 9, 10, 11 et 12. Donc, de 9 à 12, au Proverbe 7. Je peux lire? Oui, vas-y, me le roi Nestor. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme. Il fut abordé par une ayant la mine d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur la place et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Mm-hmm. Merci. Je continue? Attends un peu, pardon, je vais revenir dessus là maintenant. Il dit, c'était au crépuscule. Au crépuscule, normalement, tout le monde cherche à rentrer chez lui pour se reposer. Mais c'est au crépuscule que tu es en train de chercher à faire des rencontres. J'ai toujours l'impression de ces gens-là qui sont sur les sites de rencontres ou bien tu es en ligne. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça détourne tellement de gens. Et vous voyez qu'ils sont en train de décrire clairement comment cette personne est. La personne qui te détourne là. Au crépuscule, quand ils sont en train de fermer leur business pour rentrer, qu'on est en train de faire, ok, je rentre, t'as besoin de me reposer ou bien. C'est là que toi, tu cherches à raconter les gens. Et voici, il fut abordé. Et c'est la personne qui te fait du rentre dedans. Oui, je vais t'aider. Tu sais, les trucs que la reine Jocelyne parlait là, moi, je connais tout ça. Hein. Moi, je peux enseigner ça. Elle connaît même quoi? La personne va commencer à te montrer comment j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Faut avouer quand même que quand un homme trompe sa femme ou quand une femme trompe son mari, au départ, il y avait quand même les petits signes sur la personne que tu as rencontrée. La ruse dans le cœur, là, tu connais, il y avait un petit truc qui te montait que... Et tu ne savais pas qu'il fallait fuir cette personne-là. Tu voulais un peu jouer avec le feu. Et je rappelle que c'est pas seulement sur les relations homme-femme. Ça peut aussi être... cette prostituée, s'il peut venir gâter ta destinée, cette prostituée fait, tu peut-être, tu abandonnes, tu te mets dans des faux trucs. Tu marches avec des gens qui commencent à faire du faux. Je ne sais pas, tu laisses tes principes, tes mœurs, tu abandonnes ça. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. En tout cas, c'est tellement clair. Et si vous êtes attentif quand vous lisez la Bible, ça va sonder votre cœur. Vous allez voir que telle chose que j'ai fait, finalement, je suis tombée, j'ai regretté. Les signes étaient là depuis longtemps. Je sentais ça. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Donc, on va maintenant lire le verset 13, 14 et 15. Qui va les prendre? Ok, vas-y, reine Tudio. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté, dit, «
je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sortie au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. La drague de Saïe, Jesus is Lord. Les rencontres parfois qui sont occasionnées par le diable, ça, au début ça paraît comme si c'était Dieu qui avait occasionné la chose. Ah, c'était je jeûnais, je suis tombé sur toi. Et très souvent j'ai remarqué quand tu rencontres ces personnes-là, ça vibre très fort. C'est comme si tu te retournes dans un tourbillon. Oui, viens, on va faire ça. Oui, viens. Oh, waouh. Tu as encore quelqu'un le même jour. La personne te dit que je t'aime. Tu es belle. Waouh. Ouais. Voilà, ça dit bien. Elle l'a embrassé. Elle a brisé tous les protocoles. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive jamais avec les gens. Hein. Mais vraiment, avec toi. Hein. Waouh. Fuyez. J'ai fait business avec un monsieur comme ça. Les premiers jours qu'il venait de me rencontrer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne tombe plus pour les choses. On dit, oh, ma fille, ma mère, ne m'appelle plus ta fille, j'ai mon père. Ne m'appelle plus ta mère, il y a mes enfants. M'appelle-moi par reine Jocelyne, oh, mamie, non, ne me fais pas. Maman, comment le père avait la bouche sucrée? Oh, ma fille chérie, hé, hey, ma fille, ouais, donne-moi même 15 millions là, non. Oui, je vais te bouquer ça, et puis tu vas avoir telle opportunité qui va venir, je vais te donner. Parole sucrée. Un choqué sans ça, l'esprit me dit, tu ne vois pas que c'est toujours du rentre dedans que cette personne te fait. Il y a un esprit là. Je dis que c'est bon. Non. Comment la personne a changé? L'a changé subitement. Et là, la personne te dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes voeux. La personne dit, oh non, moi je suis très humble, je suis pieuse. Moi, je fais aussi les salakas. Hein. Hey, je reviens du village. Je suis allée sur la tombe de ma grand-mère aussi. Quand les gens là veulent t'organiser, oh, tu confirmes le code. J'ai fait aussi mes lavages au sel. Hein. J'ai fait mes lavages au sel. Oui. Peut-être que tu suis mon budget comme ça, la personne à côté de toi. La personne ne peut pas se reconnaître. Non, ce qu'elle dit là, je connais. Je connais ça. Bonjour, la reine Colette. Après, fais-tu même une pause sur mon live pour l'écouter. Ça devient l'enseignant. Et le truc, c'est que pendant qu'il parle tout ce temps-là, tu dis, mais où sont les fruits de cet homme? Si tu connais tout ça, pourquoi on ne voit pas tes preuves? Jésus a dit un truc, hein? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Même si la personne que tu rencontres a n'importe quoi qu'il connaît faire, demande-lui seulement. Parfois même, partez-moi sur leur page. Checkez-nous, regardez ces publications. En fait, que non, moi j'ai les abonnés, hein. Moi ils connaissent ce qu'elle dit là. Vraiment, quand moi j'enseigne, c'est une autre dimension. Hein. Va sur sa page, tu vas voir 100 abonnés. Faites très attention. Après, c'est pourquoi je suis sortie au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Et ma vie va changer. Comme je t'ai rencontré maintenant Noëlla. Et je n'aime pas les atalakous forcés. Hey! Reine Jocelyne, oh, ma mère, oh. Quand tu cours comme ça sur moi, demain tu vas m'insulter. Tu seras le meneur des gens qui vont m'insulter en ligne. Quelle que soit l'émotion que tu ressens quand tu me vois. Baby, calm down, calm down, calme-toi. Je suis sortie comme ça là pour te chercher. Comme t'es trouvé là, c'est toi. Je t'ai dit que la nuit, si j'ai rêvé, on va parler de toi. Ayez le discernement. Ayez la sagesse. Bérine Durier. J'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe,
d'aloès et de cinnamon. Oh, tout est prêt pour toi. On peut se marier demain si tu veux. Je te promets fidélité. Oh, le business, il va marcher. Donne seulement ton argent dans l'Onrich. Dans 6 mois, tu auras gagné la voiture. Regarde mes ventes. Regarde mon profil de vendeur. Talk des suites. Tu restes là, tu dis, ah, signe cela. Signe. Il y a un monsieur qui se revendique ici sur TikTok. Mohamed, je ne parle pas trop, je ne parle pas moi des gens, mais je t'assure. J'ai une habitude qui me plaît. Je me mêle de ce qui me concerne. Les gens qui veulent suivre la personne, suivez la personne, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas moi, je suis ça. C'est votre problème. Parce que j'ai de mes petits nombres d'années que je travaille avec vous en ligne là, je sais que les followers, ce sont les prostituées. Vous là. You des prostitutes. Hé, ma reine, vraiment, c'est toi. Demain, quand la personne va te descendre, tu vas voir la personne en train de commenter sur la vidéo d'une autre personne. Oui, c'est vrai. Oui, daddy. Moi, je vous connais. Daddy. Je vois que ça veut dire que mami, pardon. Il t'avait pas moi accouché d'abord. Il t'avait pas accouché. C'est toi qui es venu dire que mami. C'est toi qui es venu m'appeler mami. Peut-être que c'est 5 pères qui t'ont accouché et 4 mères, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Le discernement est primordial, le temps d'observation. Oui, méditer avant de prendre la décision, la sagesse. Parce que malheureusement, vous voyez les paroles de flatterie qui sont... On fait que lire les paroles de flatterie depuis que je t'attendais, c'était toi, gnagnagna. Parce qu'il y en a parmi vous, vous attendez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre. Et je vous ai déjà dit que même si quelqu'un prend mon faux profil, il vous écrit. Oh mon bébé, ma doudou, comment tu vas? C'est la reine lumière. Je ne vais jamais vous écrire. C'est vous qui allez même écrire me forcer. Que le grand, tu t'écris depuis que tu m'ignores. Vous cherchez les belles paroles. C'est comme ça qu'on vous donne ça, vous tombez. Regardez les paroles que la prostituée lui donne. Elle le voit d'abord quand elle embrasse. Moi. Vous aimez qu'on prophétise sur votre vie. Ah, c'est ta saison d'abondance. Ah, des choses vont avancer. Ah, hi, ha. Hey, amen, daddy. Amen. Eh Dieu, tu m'as donné la bouche, vraiment. Il fut abordé, on va prendre Proverbe 7, verset 10. Je reprends verset 10. Regardez bien la drague. Regardez bien la drague. Il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ceux qui m'ont vu physiquement, vous savez que je parle seulement sur les réseaux sociaux. Hein. Quand je suis devant toi, là, je parle très peu. Je vais rester avec toi, je parle très peu. Je vais seulement t'écouter, te regarder, t'écoute. Je parle pas moi beaucoup. C'est ici sur les réseaux sociaux qu'on me voit les babates. Bruyante et rétive, ses pieds ne restaient pas dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et après tous les angles, et près de tous les angles, pardon, elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté, elle lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes voeux. C'est pourquoi je suis sortie au-devant de toi pour te chercher. Dans la nuit, en fait, Dieu m'a parlé que je devais te rencontrer. On m'avait dit que j'allais rencontrer une femme comme toi. Oui. Oui, il savait. J'ai orné mon lit de couverture. Donc elle te voit aussitôt, elle te voit derrière dans son lit. J'ai mis les couvertures dans mon lit. Viens. Moi, quand tu me vois, tu vas me dire que pardon. Prends ton temps, je ne suis pas pressé que tu viennes. Je ne suis pas pressé. Suis-moi pendant 6 mois.
En fait, je préfère même quand tu me dis que je te suis depuis un an, je te suis depuis 6 mois, c'est maintenant que, bon, j'ai été observé longtemps, maintenant j'ai pris ma décision de venir. Oui. Si ça fait 2 jours que tu me suis, pardon, ne te presse pas pour me parler. Parce que j'ai le cooling period, la période pour se refroidir, pour les nouveaux venus là. J'appelle ça le cooling period. Il y en a parmi vous, non? Vous commentez ici sur mes directs tous les jours. Bam, 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 bam. Après un jour, on ne te voit plus. Ça fait même 6 mois, on ne te voit plus. Alors que pendant 2 semaines, tu étais dans mes directs tous les jours. Nous vous connons. Moi, je vous connais. Alors, tu es venu, tu as lancé ton maïs, je n'ai pas mangé. Tu as lancé, il n'est pas attrapé, il n'est pas mordu. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloe, de cinnamone. Viens. Oh! Quand on te drague. Viens. Enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car mon mari n'est pas à la maison, mais mon mari n'est pas là. Mon mari n'est pas là. Il est parti en voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison. Car la nouvelle lune, elle le séduisit à force de paroles, l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Et on est dans l'époque des réseaux sociaux, là, le téléphone que vous tenez dans votre main là. Dès que tu écoutes quelqu'un, il attise un peu quelque chose dans ton cœur comme ça là. Ah, tu écris inbox, je veux te contacter, je veux te parler. Calme-toi, calm down. La reine Colette dit que les pétales de rose et les bougies. Ouais, toi tu es spécial. Elle le séduisit à force de parole. La Bible dit à force de parole parce que, au premier coup d'abord, quelque chose dans ton cœur te disait que, mais c'est que non, il faut que j'écoute encore un peu. À force de partir écouter, tu vas caler là-bas. Tu vas caler. Il a pris avec lui le sabre. Elle le séduisit à force de parole. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour le châtier. Il y en a parmi vous, c'est comme ça qu'on vous a envoûté. Parfois, quand tu restes, tu penses, tu dis, mais qu'est-ce que je voyais même derrière le gars là? Quelqu'un travaille sur lui, il doit vous délier, il doit vous détacher. Il y en a qui doivent enlever l'esprit de prostitution sur vous. Il doit enlever ce qui est en toi qui fait que tu es toujours attiré par les hommes qui ont te fait souffrir là. Il te fout pour que ça sorte de ton corps. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet. Si vous regardez très bien, ce passage parle un peu de ce que le psaume 91 parle. Dans le monde mystique, quand on va vous faire du mal, quelqu'un se met, il t'attache. Donc quand il fait souvent le travail de détachement, tout ça là, c'est ce même processus que j'utilise. On t'attache, on attache tes pieds, on lit tes ailes. Tu es là comme ça. Tu sais même que tu dois faire ton travail spirituel, mais tu ne le fais pas. Par contre, attaché. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Je vous parle généralement, aujourd'hui j'ai beaucoup parlé des flèches sur les poitrines des gens là. Prenez-lui de blindage, ça va beaucoup vous aider. Les flèches mystiques qu'on a lancées sur vous là. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Quand on dit la vie comme ça, parfois c'est tout ta... C'est ta... Quand on dit qu'on vole l'étoile là. Ta vie en fait, quand on dit qu'on te prend la vie, ce n'est pas que tu meurs physiquement. Hein. Tu es là, tu vis, mais tu es comme une épave. Ta vie ne donne rien, tu tournes en rond. Tu feignes comme ça là. Tu feignes.
C'est ça que Dylan a bien dit. Ton avenir, on vole ton avenir. Une mort spirituelle. Et beaucoup d'entre vous, vous l'êtes, vous ne le savez pas. Vous savez, vous donnez les signes. Il dit, vous donnez les signes. Tu as un projet, ça ne marche pas. Dès que tu, c'est un drone de non-accomplissement. Dès que ça veut y donner comme ça, là, pop, ça tombe. Si tu réfléchis tes 5 dernières années, rien n'a donné dans ta vie. Je vais très bien, bonsoir. Lui, là, je vends ça à Makepe. On poste par DHL aussi à travers le monde. Voilà, que tu es arrivé en retard. Vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé avec ton dossier. Je connais quelqu'un qui a fait son don. Un système que depuis 2-3 ans. Tu vois, le genre que tu arrives, on dit qu'il y a le réseau que c'est sûr. Que même la sûreté, elle-même, elle est dépassée par la sûreté de ce réseau. Tu arrives, t'as pas, pap, on bloque. Deuxième tentative, on bloque. Troisième tentative, on bloque. Tous ceux qui sont dans ce ministère ont pris ton dossier pour aller déposer. Vous savez, chacun a son réseau souvent, non? Donc, dans le bureau, là, il y a 20 personnes. Sur les 20, là, il y a 5 qui font les... C'est leur work, c'est leur business. Les 5 prennent ton dossier. Chacun vient à son tour, il toque sa part de porte, ça ne donne pas. Il vient, il toque, ça ne donne pas. Le prix d'envoi. Tu es dans quel pays? Je te conseillerais de prendre ça avec un kit de déblocage une fois. C'est à l'intérieur du kit de déblocage. Parce que 1 kilo ou 5 kilos, je poste au même prix. Et l'huile au Cameroun, la grande portion coûte 20 000 francs. Alors que le kit complet coûte 55 000. Donc, tu as cherché le kit complet. On poste là-bas à 45 000 en Belgique. 5 kilos à 45 000. Vraiment, l'Italien, je n'aime pas faire les DHL en Italie. Les Italiens bloquent les choses à la douane. Quand ça vient du Cameroun, aucun colis depuis 2 ans, je ne peux pas envoyer. Je dois envoyer à Paris, celle de Paris prend avant de poster. Donc voilà le numéro en haut là-bas, prenez ça dans ma bio, dans la bio en haut là-bas. Vous prenez le numéro, vous écrivez là-bas, on pourra vous poster ça. Pour l'Italie, tu vas payer, je crois, tu vas payer 25 euros en plus de 550 euros. Parce que le kit avec les frais d'envoi, c'est 150 euros. Maintenant, c'est pour l'Italie, envoi en Italie, tu vas payer 25 euros au-dessus de 150 euros. Donc, compte 175 euros. Parce que j'envoie d'abord en France. De la France, elle récupère, elle met ton nom et ton adresse sur ça, elle poste maintenant. Et les Italiens prennent ça, ils détruisent carrément. En tout cas, c'est pour vous là-bas. Je sais pas pourquoi on a bloqué dans l'Italie comme ça. Maintenant, on continue. Vous allez voir que chapitre 7 de livre des Proverbes. Oui, c'est dans le kit fondation, oui. C'est ça que je leur conseille de prendre une fois le kit fondation. Il y a ça au Gabon. Mulin, je suis au Gabon pour encore quelques jours. Il y a ça au Gabon. Même quand je ne suis pas au Gabon, mes produits se vendent au Gabon aussi. Donc, on est à Louis, au marché de Louis. Ou bien au SAMU social de Louis. Tu écris avant de venir. Voilà. Donc, l'huile ici au Gabon, c'est... Il y a la petite boîte, mais prends la grande boîte, parce que la petite boîte finit rapidement. La grande boîte, c'est 23 000 ici au Gabon. Ok. Regardez ce que la Bible dit par la suite. Et maintenant, mes fils. Donc, on a dit qu'on t'entraîne vers le trou pour que tu puisses te piéger, non? Et maintenant, mes fils, écoutez. Écrivez cela, j'écoute. Programmez votre ouïe pour comprendre ce que la parole dit. Écrivez cela, j'écoute la parole. Je dépose sous vous une ouïe, une oreille qui est disposée, un cœur qui est disposé pour laisser la sagesse entrer dans vous. Je dis que la sagesse entre dans vous et vous l'appliquez. La sagesse sauve la vie. Ça sauve ta vie. Écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voix d'une telle femme.
ne t'égare pas dans ces sentiers. Même si elle te demande l'eau à boire, laisse-la elle meurt de soif. Laisse-la elle meurt de soif. Et vous savez, la majorité des femmes, quand parfois tu demandes à un homme, ok, pourquoi tu as trompé ta femme? Ah, j'ai vu la femme là, elle était en détresse, je ne vois pas quand même l'abandonner, non. Certains hommes, c'est seulement par gentillesse que certaines personnes viennent abuser d'eux. On sait qu'il est gentil. Mon père, la prochaine fois, laisse-la meurt de soif. Elle n'a pas le bic pour écrire. Laisse-la, elle va aller acheter le bic à la boutique. Elle va venir écrire. Les gens aujourd'hui n'ont pas de scrupules. Hein? Pas de. C'est moi parce qu'elle avait été gentille. Ouais, je l'ai vu. Et il pleuvait. C'était là. Il y avait l'orage. Je l'ai aussi porté dans la voiture. C'est moi pour la déposer en route à 300 mètres. Elle est dans la voiture. Elle fait du rentre dedans au monsieur. Comme c'est quelqu'un de courtois. Ah, tous les soirs, elle écrit TFK. TFK. CC. CC, bébé. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Tu ris. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Elle vient mettre les problèmes entre toi et ta femme. Ça te prend 5 ans pour restaurer la confiance dans ton foyer. 5 ans. Je ne sais même pas ce que tu... Il dit que si on te demande, même, tu ne peux pas dire ce que tu faisais. Tu ne peux même pas dire. Vous n'avez pas accouché ensemble, rien. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Je déclare sur vous que vous allez fuir le péché. Toute personne qui vient à côté de vous, je déclare qu'à distance, vous dégagez la personne. Il y a souvent les choses que ça vient, les gens là viennent seulement pour salir ton âme. Le soir, là, tu n'avais rien à faire. C'est pas qui t'a donné l'argent, mais. C'est pas comme si le père là t'a donné l'argent. Non. La preuve, c'est toi qui as payé ta moto pour partir le voir là où il était. Tu t'assois, il paye la boisson. Tu bois, il paye le porc, tu manges. Tu manges, tu bavardes. Après, tu rentres l'esprit et te dis que tu n'es pas pu, ne lui écris plus. Parce qu'il y a des personnes comme ça, comme seulement en restant à côté de toi, il prend ton énergie. Il prend ton énergie. Toute énergie qu'on vous a volée, je vous la restaure au nom de Jésus. Tout filet de l'oiseleur dans lequel on vous a pris, je viens briser ces filets, je vous sors de là aujourd'hui. Tout acte qu'on vous a induit à faire et on a utilisé ces actes contre vous, j'annule. J'annule le verdict, j'annule les conséquences de ces actes sur votre vie. Je vois quelqu'un ici là qu'on avait promis de te peut-être t'acheter quelque chose le lendemain. Ou de te peut-être de sponsoriser ton visa ou bien de te faire. Donc la personne devait faire un grand truc pour toi. La veille, tu es parti quelque part comme ça, là, tac, ça a gâté. Une de tes copines a dit que viens, on sort, tu rentres tard, à 23h. Ton oncle là, le lendemain, qui devait t'amener pour faire la procédure de visa. Il voit que tu rentres tard comme ça là. Ça l'énerve. Il se fâche. Il dit que je ne fais plus. L'esprit qui a fait que ta copine là te tire le jour là dehors, c'est l'esprit là qui voulait. Écoute, parfois on dit, il y a la spiritualité. Il y a aussi la partie réelle que bon, tu dois bosser, tu dois te discipliner, tu dois te lever à temps. Mais il y a les esprits qui influencent les gens pour qu'ils viennent vous faire du mal. Et quand tu regardes même, tu dis que je suis même resté dehors, fais quoi? Le pamplemousse qu'ils m'ont donné là même, est-ce que je manquais le pamplemousse? Ah, tu n'arrivais pas à dire non. Ouais, viens, on part un peu, non, on part avec nous. Ouais, on m'a parlé d'un nouveau bar qu'on vient d'ouvrir là-bas. Ouais, viens, non. Viens, on part, non. Tu fais mon quoi à la maison? Te voilà, tu es dans la danse, te voilà. Te voilà. Tu es dans ça. Tu es dans le taxi. Taxi course, Yango. Te voilà. Tu sais pas où tu partais.
Je déclare sur vous la sagesse et le discernement. Que vous allez être en mesure de détecter les personnes là à distance. Et parfois, vous ne pouvez pas quantifier l'énergie qu'on vous a pris dans ces endroits-là. Parfois, tu ne peux pas quantifier. Tu pars seulement. Tu rentres de là, tu es fatigué. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Tu te laves au sel. Qu'est-ce que c'est mon quoi ça? Toute chose qu'on vous a volée dans les sorties nocturnes, les mauvaises compagnies, je déclare aujourd'hui que les anges vous le restaurent. Père Saint, j'implore ta miséricorde divine. Tout piège qu'on a tendu, tout filet de l'oiseleur qu'on a tendu sur tes enfants ici présents. Tout homme que tu ne devais pas censé le rencontrer. 5 ans plus tard, tu vas avec 2 enfants, il a disparu de ta vie. L'homme là est comme un fantôme. He ghosted you. Il est comme un fantôme, tu ne sais pas. Donc c'est comme si maintenant que tu te réveilles, tu vas avoir 2 enfants. Ce sont tes enfants. Tu ne comprends pas comment tu as fait pour arriver à ce point. J'ouvre vos yeux. Faites comme ça, j'ouvre vos yeux. Je dépose sur vous la sagesse divine. La sagesse, le discernement. Tout emprisonnement dont vous avez été victime. Luc chapitre 4. Je rappelle qu'on est au 7e jour du jeûne. Et les enseignements du soir, généralement, je ne les fais pas en ligne. Je vous dis avant ça là parce que je ne fais pas toujours, je ne fais pas en ligne tout le temps. Donc ce sont les gens du groupe qui ils sont eux qui reçoivent ça. Donc ceux qui veulent rejoindre le groupe, vous allez écrire sur le numéro, on va vous donner le lien, vous allez entrer dans le groupe. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, Jocelyne. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je viens proclamer à vous qui étiez captifs votre délivrance. Je viens ouvrir vos yeux, vous qui étiez aveugles. Je vous libère de toute oppression spirituelle et physique. Au nom de Jésus. Je restaure toute partie de ton étoile qui a été volée. Toute personne qui a de l'emprise sur toi. Toute personne qui te contrôle à distance. Peut-être dans cette sortie-là, tu te retrouves en train de coucher avec quelqu'un. Et la personne est passée par ce lien pour te tenir, par cette attache d'âme. Je déclare que tu divorces avec cette personne aujourd'hui. Il y a l'astuce de l'œuf que je vous donne souvent. Vous prenez l'œuf, vous écrivez dessus. Et après, vous le cassez à distance. Donc tu écris ce que tu veux, ce dont tu veux te libérer. Tu peux écrire le nom de cette personne-là. Tu dis, je divorce. Je me sépare de toi. Toute relation qu'on a eue, tout ce qu'on a eu comme attache, je divorce de toi. Tu casses ça à distance, que le jet de cette flamme ne te touche pas. Après, tu peux verser de l'eau. Si c'est dans un champ, ça va. Mais après, si c'est sur un sol, tu verses de l'eau, ça part. Personne qui te contrôle à distance. Tout maître spirituel qui a fait semblant avec lequel tu es sorti et qui connaissait plus que tu ne t'as montré et qui a utilisé ses connaissances ésotériques pour te bloquer, ses connaissances spirituelles pour te bloquer ou encore pour t'emprisonner. Toute personne là où on a emprisonné ton étoile, toute personne qui est retenue captive quelque part, comme tu m'écoutes au son de ma voix, je brise ces barrières, je brise ces calebasses, je brise ces bouteilles, je brise ces prisons. Je casse les cadenas de ces prisons et je te libère au nom de Jésus. Coco, coupe ton micro. Je restaure votre étoile. Si c'est un oncle, si c'est une tante, si c'est une ex, peu importe la personne. J'enlève l'étourdissement.
toute flèche qui frappe de jour, qu'on avait prévu lancer sur toi, je déclare que ces flèches ne te localisent plus au nom de Jésus. Toute flèche qui frappe de jour qu'on avait prévu pour toi, je déclare que ces flèches ne te localisent plus au nom de Jésus. Tu n'es pas seul dans ta tête. Ces flèches ne te localisent plus au nom de Jésus. Mais va manger. Et presque fini. Après, tu reviens, non? Je déclare que vous êtes libéré. Je restaure votre puissance. Toute personne qu'on a envoyée dans votre vie pour vous bloquer, tapoter, toute personne qu'on a envoyée dans votre vie pour vous bloquer, je vois ainsi peut-être même des employés. Je vois quelqu'un qui a une employée qui te... Elle a une emprise sur toi là parfois. Parfois tu lui fais des faveurs et ça énerve beaucoup ta femme. Parce que ta femme peut sentir ce que cette fille essaie de manipuler, comment elle essaie de te manipuler. Et toi, tu ne comprends pas. Je te libère de l'emprise de cette femme. Je te libère de l'emprise de cette Jézabel au nom de Jésus. Je coupe tout ce qui faisait que ton cœur penche vers cette personne et qui est en train de détruire ta famille. Je coupe maintenant et je te libère. Amen. Bonsoir, Big Man. On a terminé. On a lu le proverbe 7. Je ne vais pas lire le psaume 7. Éternel mon Dieu, on a lu le psaume 7. Merci pour tapoter la Tifa. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas, comme un lion qui dévore sans une personne, qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a d'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule la terre à vie. Et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne ton jugement. Je vois quelqu'un qui est en train de m'écrire. Mamie, je suis en direct. Hein. Ne pensez pas parce que vous avez payé la lecture des cartes que vous allez venir me faire le chantage. Je ne suis pas dedans. Je ne suis même pas dedans. Même pas une seconde, 10 minutes. Voilà. Que l'assemblée des peuples t'environne, monte au-dessus d'elle, vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit, selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu irrite en tout temps. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers. Il rend ses flèches brûlantes. Voici, le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse. Il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Oh, ça c'est sucré. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté. Vous passez une superbe soirée. Vous pouvez relire le proverbe qu'on a lu, Proverbe chapitre 7. Vous pouvez le relire, méditer dessus. Ok?
Je vous souhaite de passer une superbe soirée. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que sa bénédiction soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.